C'est possible. Mais il serait temps de calmer les ennuis. Et j'ai trop souvent, j'ai gambadé. Là, je me rends compte qu'il y a des tunes traditionnelles québécoises folkloriques qui ne sont pas rendues jusqu'ici. Ça va bien. Ben, c'est parce que la musique, on ne sait jamais trop comment un voyage, en fait. Aujourd'hui, la musique, c'est facile de l'avoir, mais laquelle? Il y a pas de pli.
Avant, c'était sur notre téléphone, maintenant, c'est même dans le nuage, dans le cloud. La musique est dans le cloud. Et que de milliards de chansons. Et c'est fou parce que, avant, il fallait aller dans un magasin, il fallait se déplacer, il fallait aller acheter un vinyle, on déballait, c'était. On a amené la musique à la maison. Mais sérieusement, ça fait moins de 100 ans que phonographiquement, on peut enregistrer et amener ça à la maison. C'est dingue quand on y pense. On pense que c'est comme ça facile aujourd'hui. Mais avant, il fallait faire quoi? Il fallait. Moi, c'est cool parce que j'avais mon père qui chantait à la maison, par exemple, avec mon oncle Renan, mon oncle Robert, avec deux oncles Roger en plus. Et donc, ça faisait de la musique à la maison, tu peux avoir mon instrument, mais sinon, t'allais dans la cour du roi pour entendre la musique. T'allais à l'église, entendre la musique. Tu te baladais dans les rues, puis il y avait un troubadour, souvent pourri, mais quand même, qui faisait de la musique. Mais, c'est fou. Mais la musique a dû exister depuis longtemps. D'ailleurs, mon maître, Obi-Wan Kenobi, Maxime Le Forestier, un jour qu'on était sur les enfoirés, un jour, un soir, une nuit, ou peut-être un matin, on avait bien bu, et Maxime me dit, « Garou, toi, qu'est-ce que tu penses? C'est né comment la musique? » Je Maxime, un peu tard, me demandait ça, ça me prend le cours. Je dis, je sais pas, c'est peut-être, je sais pas, une tribu, il y a des roches, on frappe, quelque chose, si on dit ça. Je dis, non, sérieux, car pour moi, je pense que, Obi-Wan Kenobi, il dit, je pense que la première musique de tous les temps, c'est la première que t'as entendue. On va aller se coucher, Maxime. Sérieusement, je pense qu'il avait raison. Il m'explique qu'il y a un moment dans l'histoire, très tôt dans l'histoire de l'humain, un moment, ou une maman. C'est une maman, en fait, qui tient le bébé, elle lui a donné le sein, elle fait son petit roux et tout, mais encore. C'est qu'on fait avec ça. Elle invente le plus beau truc du monde. Elle fait... Et ça marche. Cette invention fonctionne instantanément. Et nous, la musique québécoise traditionnelle, folklorique, qu'on chantait tantôt, là, ben, elle, fallait qu'elle nous arrive. Tu sais, c'est des Irlandais, des Anglais, des Français, qui apportaient dans les camps de bûcherons des chansons, puis là, ça faisait un genre. Et pendant des centaines d'années, la musique, elle voyageait pas par le cloud, elle voyageait par bateau. Parce que dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment, comme des jolies fleurs le long des baies. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drame, au premier lieu. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dont la chaleur épaisse, des longueurs océanes. Et qu'il va pas tant, il va pas s'en dire, putain, c'est là, non.
Il voit comment il le fait.